Eh bien bonjour et bienvenue à toi, cher ami internet de YouTube de SplashX. On se retrouve pour continuer la découverte de ces fameux logiciels de création de jeux vidéo qui te promettent de réaliser des trucs extraordinaires sans aucune ligne de commande. Alors aujourd'hui on va se consacrer à Copper Cube. Je crois qu'il est gratos, je crois qu'il est gratuit. Je viens de le lancer et je trouve qu'il ressemble énormément en fait à Game Guru qu'on a lancé lors de la précédente vidéo. Et honnêtement, je pense que je vais peut-être tester deux logiciels dans cette vidéo parce que sinon je pense qu'on s'en sortira pas. C'est peut-être un peu plus pointu, peut-être, mais ça ressemble. On va tout de suite ouvrir une application d'exemple pour voir. On a terrain, physique, first person shooter, caractère animation, mode viewer, effect. On va les terrains, voir un petit peu à quoi ça peut ressembler en termes de terrain. On va faire ça. On va commencer juste par verrer. L'application utilise des effets postaux, mais ceux-ci ne sont pas pris en charge. Je vais donner les effets de poste, d'accord. Ok, très bien. Bah écoute, tu fais ta petite sauce, hein. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a? On a un personnage qui a un balai dans le cul. Je suis complètement... Ok. Bon, d'accord. Ok, je peux vraiment pas utiliser la caméra pour voir. Hein. Je dirige clairement un personnage uniquement avec le clavier. Il peut courir. Il peut pas sauter. Il peut courir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas de son. Ça ressemble à Game Guru, sauf qu'il est peut-être pas autant orienté FPS. Bien que Game Guru, on sent qu'ils ont la volonté d'essayer de sortir de cette image qui veut que ce soit un logiciel de création de map FPS. Celui-ci est peut-être pas axé FPS, justement. Bon, on va sortir. Comment je fais? Si je fais de nouveau. Voilà. On va charger un autre truc. Terrain, physique, first person shooter, effect. On va regarder un peu les effets. Bah, sauf si on n'a pas accès à tous les effets. Alors, on a du feu. Voilà, très bien. Ouais, bon, bah c'est pas mal. Honnêtement, je pense que c'est possible de faire quelque chose, mais ça correspond toujours pas à l'identité graphique que j'aimerais. Moi, j'aimerais vraiment quelque chose de propre graphiquement. Mais je suis sûr qu'avec ça, on peut déjà se fabriquer des jeux sympas. Avancer d'un point A à un point B, rechercher un truc. Mais ça me semble quand même vachement... J'ai l'impression quand même de jouer à Half-Life. Toujours. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y avait un truc un peu plus intéressant là-dedans? Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Caractère animation, non. La physique, à la rigueur. On peut essayer la physique, voir un petit peu ce qui se passe. Parce que bon, la physique est quand même un petit peu importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, à notre époque... Ok, on a donc une balle. On peut défoncer des caisses, on peut bouger les caisses, donc là je suis bien en vue FPS. Par contre, cette balle a quand même. Comment dire? Elle a quand même une. Et quand même un certain mouvement bizarre. Bon, bah, y a de la physique, mais c'est pareil, c'est de la physique qui est très très datée quand même. Ah, bah, je suis tombé. Tant pis, c'est pas grave. Bon, si je fais une nouvelle application, on va voir comment ça se présente. On a donc une map. On a donc un truc, une map, oh, d'accord. Des textures, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que je peux... C'est quoi ça? C'est le bloc, d'accord. Cube mesh. Comment je fais pour faire une... Déjà un terrain... J'ai déjà tout cassé. Bon. Je suis pas. Je suis pas hypé. Hein. Donc là, on vient de créer un terrain. Sur le terrain, après, on peut. Moi, je vois un. Je vois un Game Guru.
Voilà, je peux mettre des bonhommes, certainement. Enfin, ouais. Bon, je suis pas hypé du tout, du tout, du tout, du tout. On va arrêter là pour ce premier logiciel, parce que clairement, je vois pas l'intérêt de partir sur une base identique à GameGuru ou à autre chose. On teste notre création quand même, qu'on vient de tester en 3 secondes. Bon, bah voilà, y a rien à dire, c'est du logiciel rigolo, je pense. C'est du logiciel rigolo, mais je suis pas du tout sûr. Non, ça me plaît pas. Donc, on s'arrête pour cette découverte de Copercube, qui pour moi me plaît pas. Ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que moi, ça convient pas à ce que j'ai envie de faire. Je vais pas le répéter, je vais le répéter à chaque vidéo pour que vous compreniez bien que je suis pas en train de descendre des logiciels. C'est clairement que ça correspond pas à ce que je veux faire. On va lancer GDevelop. Donc, je charge et je vous retrouve. Bien, je viens de lancer GDevelop et il me semble que GDevelop est un logiciel qui permet plutôt de... Non, c'est pas ça. Qui permet plutôt de... comment dire, de faire des petits jeux, j'ai l'impression, une fois de plus. Mais des petits jeux avec des petits jeux 2D avec un scrolling horizontal et du coup, c'est ce qui m'intéresse, clairement. Comment ça marche? Eh ben voilà, très bien. Ok, c'est facile. Ouais, bon, voyez. Alors, on va quand même lancer. Je vais lancer le truc quand même. Pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Le personnage a des animations. Il change d'animation quand il fait quelque chose. Et il saute, il change de tronche. Il change de position aussi. Oh, attention à la bête. Il attrape les pièces, il fait du bruit. Je gagne des points. Donc, ah putain, elles me font pas mal. Elles me tuent pas. Ah, on peut les tuer en sautant dessus, d'accord? Et quand je récupère des pièces, il y a un système de scoring. Mais par contre, ça ressemble... Oh. Ça ressemble beaucoup... Pardon. Je pense que là, voilà, c'est quelque chose qui peut correspondre à ce que j'aimerais faire avec pour faire mon jeu de au scrolling horizontal. Moi, ça me parle. Là, c'est propre, c'est net. Voilà, à voir si on peut faire des trucs avec... C'est pas mal, j'aime bien, ça me plaît. Il n'y a pas besoin d'avoir des graphismes de malade. J'aime bien la patte graphique, j'aime bien la petite couleur chatoyante comme ça. Ça me déplaît pas. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc? Admettons que par exemple, je veuille. Les bestioles, elles ne me tuent pas. Comment est-ce que je peux faire pour qu'elles me tuent? Déjà, est-ce que je peux rajouter si je veux prendre une bestiole là? Touch click on the scene to add the object. Ok, si je la mets ici, déjà, est-ce qu'elle va tomber? Elle est tombée. Donc il y a une gravité hein, qui se met en place, quelque chose. D'accord. Si je veux la faire plus grosse, c'est ça. Voilà, ça va être la maman. Ce sera la maman de la bébête. Donc là, je vous rappelle, on part juste sur le truc de base, hein, clairement. Mais j'ai envie de voir les mécaniques de jeu et savoir comment je peux faire pour voir si ça peut correspondre à ce que je cherche. C'est intuitif. Là, je prends des trucs qui sont déjà... Bon, là, c'est vraiment sur le modèle de démonstration. Donc, je prends des trucs. Voilà, je veux rajouter des blocs de terre. Eh ben, je peux en rajouter ici. Je peux rajouter des arbustes. Je peux faire un petit peu ce que je veux avec les éléments qu'il y a déjà dans le truc. Mais j'ai pas l'impression, par contre, qu'il y ait un catalogue. Ce qui est plutôt bien. Parce que ça veut dire qu'on peut peut-être fabriquer ses propres... Ah bah oui, regardez, click to add an object. Un sprite, du texte. Ouais, c'est pas mal, regardez, est-ce que si par exemple je fais un texte et que j'écris, je suis en QWERTY, non, SplashX, the best, voilà, admettons, on va se mettre ça en rouge, j'ai dit en rouge, là pour l'instant, vous voyez, c'est ultra intuitif, et donc j'ai mon texte qui est là, et mon texte, est-ce que je peux cliquer là? Oh bah ouais, regardez. Bon, ça écrit pas en plus gros, mais est-ce que le texte est soumis également à la gravité? Non, et c'est parfait, parce que c'est un élément de texte, donc il a déjà des instructions qui sont propres. Est-ce que je peux tuer le gros? Oui. SplashX, ben voilà, donc... Pour l'instant, ça me parle et je trouve ça vachement intuitif. Et vous voyez, pour un petit jeu que je voulais passer très vite, eh bien, je suis déjà en train de passer un petit peu de temps dessus. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est est-ce que, par exemple, je peux interagir avec ces bestioles? Par exemple, cette bestiole, quand elle me touche, elle ne me tue pas. Est-ce que je peux... Ça, c'est quoi, les external layout? Les events, enemy management, object management, qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
Ah, et par contre, c'est con, c'est que je vois pas ce qui est écrit ici. Alors, plateforme 1. Alors, est-ce que je peux fermer ça? Ok. Et ça, il y avait New Scent aussi. At the beginning of the scene, objet, la hitbox du joueur, bien sûr. Changer l'animation. Voilà. Ah, si, ça a l'air pas mal. Vous voyez, donc là, ça correspond aussi un petit peu à ce que j'imagine pour fabriquer un jeu. J'ai l'impression, parce que moi, dans la programmation, je fais de la programmation de logiciels professionnels. Et c'est toujours la même chose. C'est si, alors, à condition, alors. Et donc, c'est tout un tas de variables comme ça. Et si ça me parle comme ça, là, ça me parle à peu près clair. Vous voyez, par exemple, ici, on a left key is pressed, donc la touche gauche est pressée. Flip horizontal player, yes. Right key plus, non, ça correspond. Change of animation. Donc, right shift key is pressed, play the sound, jump wave. Player hitbox is jumping. It's falling, it's falling. Alors maintenant, est-ce que je peux faire player hitbox? Comment je fais? Alors, attends, on va regarder. Enemy mouvant. Collision. Go left is in collision. Hein? With enemy. The number of the current. Hein? Alors, comment je peux faire pour rajouter add condition? Alors, est-ce que je peux ajouter Il y a énormément de choses. Collision. Alors, collision. On a quoi? La player. Alors, si je prends ennemi avec player. Add action. Enemy in collision with player. Add action. Action. Eh bien, on va prendre player, si je le trouve. Je sais pas comment ça marche. Link object. Ah donc je peux pas dire par exemple j'ai donc common action for all objects. Sprite animation animal effect direction size visibility variance scène. Il faudrait vraiment tous les passer un par un et essayer de les travailler tous pour savoir un petit peu ce que ça peut donner. Je serais bien tenté du coup. En variable, il y a quoi? Toc, 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 toc. Storage, file, network. On va peut-être destroy outside. On va faire une rotation. Modifie. Modifier le texte. Object. Ouais, mais j'ai pas de... On va mettre. Tac, et texte. Alors là, je pense que je fais n'importe quoi, mais j'ai envie d'essayer. On va revenir ici. Et on va voir s'il se passe quelque chose quand je rentre en collision avec l'ennemi. Bon, il se passe rien. Bon, je pense que... ça me paraît à peu près possible de faire quelque chose assez rapidement, je pense. Si j'y passais une heure ou deux, je devrais pouvoir réussir à comprendre des trois petits trucs. Il y en a aussi ça. Add condition. Donc là, on a rien. Ça, c'est dans l'enemy management. C'était peut-être pas là. Enemy is in collision with player. Mais est-ce que moi, je suis considéré comme player? Si, je suis player. Player hitbox. Activate the behavior platform object or fly on. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Bon, ça me paraît pas mal pour faire un 2D en scrolling horizontal, bien sûr. Si je fais un nouveau truc, ça fait quoi? Si je fais... C'est quoi? Si je fais un truc complètement vide, il y a quoi? Donc, il faut que d'abord j'ajoute une scène. Ok, scène. Ajouter un objet. Image. Ah ouais, et puis vous voyez, là, je peux carrément choisir une image. Choose a new. Ouais, il y a vraiment, je pense, là, il y a moyen de faire un petit truc facile. Je pense assez facilement. On va s'arrêter pour celui-ci. Et du coup, je me demande même si...
on va pas lancer Ready Maker. Allez, on se termine, on fait les fous, on lance. Ce sera parce qu'après il nous restera Godot, Ready Maker, Unreal Unity, Game Builder. Ouais, il y en a encore quelques-uns, mais là on va essayer d'optimiser un petit peu, sinon ça va commencer à être un petit peu lent. Je charge Ready Maker tout de suite. Hop là. Ok, Ready Maker est chargé. On va pouvoir tester un petit peu. Comment je fais pour fabriquer un truc? SplashX, apprendre, définir, vider le cache. Vous n'avez pas de projet. Ah, attends. D'accord. Vous n'avez pas de projet. Ah, plus, je l'avais pas vu. D'accord, ok, là on est clairement sur un truc smartphone. Alors paysage, portrait, on va se mettre en paysage, allez. Ok, bon, bah alors là on peut dire que c'est quand même ultra sobre. Ça c'est pour essayer le truc, ça c'est pour le je sais pas quoi, tout ça, ok. Les paramètres, les trucs. Alors si on clique sur plus, oh. D'accord, alors on a quoi? Mes téléversements, J, forme de base, art arrière-plan, interface et faisceau. On va aller dans les arrière-plans et on va se prendre. On va se prendre quoi? Ok, on peut. J'ai l'impression que c'est un truc qui a été développé pour tablette. Parce qu'en fait, c'est comme si je faisais scroller avec mon doigt. Faut que je laisse le doigt cliquer. C'est assez bizarre, hein. Un petit peu galère à charger, mais bon. Allez, on va prendre n'importe quoi. On va prendre. Du coup, j'aime bien quand je dis on va prendre n'importe quoi et que je ne prends rien. Alors, faut que je laisse les deux pieds dessus. Hop. Ça, si, c'est bon, ça a marché. Ok, donc on a un arrière-plan. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut faire d'autres trucs? C'est quoi art? Si je prends abstrait, il y a quoi là-dedans? D'accord, ok, des trucs comme ça. Des animaux. Animaux. Personnage. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme personnage? Il nous faut un personnage de base, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Eh ben, on va prendre lui, là. Ok, on a donc notre superbe petit personnage, s'il veut y aller. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a des formes de base. Des formes de base, ben, j'imagine que ce sont des formes. C'est évidemment des formes de base. Interface et texte. Des boutons. Des étiquettes. Lecteur de vie, bouton simple, étiquette de score, un slider. Ouais, c'est vraiment pour tablette, clairement. Hein. Je me demande d'ailleurs si le logiciel n'existe pas sur tablette. C'est pas impossible. Saisie de texte, minuteur, ok. Interface préfabriquée, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord, ok. J'ai l'impression que la touche, elle va pas au. Enfin, j'ai l'impression que je clique pas au bon endroit. Et là, on a donc tous les trucs possibles. Donc, balle, pavé de contrôle. Ah bah, pavé de contrôle, il nous faut un pavé de contrôle. Alors, pavé de contrôle. On va le mettre ici. Déjà, est-ce que ça marche? Si là, je fais un truc juste pour voir ce que ça fait. Évidemment que non, ça marche pas. Mais c'est normal, j'ai envie de dire. Alors, parce que attendez, il n'est pas là déjà mon pavé de contrôle. Où est mon pavé de contrôle? Pourquoi n'ai-je pas mon pavé de contrôle? Est-ce qu'il faut que je le mette sur lui? Ah, voilà, ça doit être ça, sur lui. Ah bah voyez, regardez. Ok, bon, alors apparemment, celui-ci, il est pareil, il est très intuitif également. J'ai un gros problème, c'est quand je clique, faut pas que je clique sur le truc, faut que je clique vraiment en dessous, sinon ça marche pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Charnier, regroupement, on peut le faire sauter, sauter à travers, juste traiter des mouvements, nombre aléatoire, tourner, élastique, il y a beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'on peut, par exemple, c'est quoi? Effet. Effet de combat. Effet environnementaux, du feu, effet d'explosion, hein, particules. Est-ce que je peux lui mettre des particules? Ah oui, regardez, je peux rajouter des particules sur cette bête. D'accord, par contre, tes particules sont un petit peu. Ouais, ça va être. Je sais pas. Comment ça marche? Ok, mes particules, en plus, sont soumises à mes déplacements. D'accord. Du coup, ça aurait été une fusée, ça aurait quand même été un peu chouette. Ça, c'est quoi ça? Les événements. Ah, bah voilà, c'est intéressant et ça a l'air aussi très propre. Alors maintenant, si je veux, par exemple, prendre des météorites, c'était où?
C'était pas ça non plus. C'était pas ça. Non, c'était dans les formes de base, peut-être. Non, c'est... Ah, je sais pas où c'est, bordel. Abstrait? Non. Animaux? Décoration? Accessoires? Plantes? Pff, c'est rien. Et j'ai cliqué sur plantes, hein, vous voyez. Et donc, ça a mis le truc du haut. Donc, si on prend... On va prendre un alien. Ok, on va mettre un alien ici. Et on va prendre un alien. Ok, bien. Alors, imaginons que cet alien... Est-ce que je peux lui mettre... Voilà. Est-ce que je peux faire des trucs? Apparence, physique, actif. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est la physique, certainement. Ah, ouais. Mast, force de traction. Ah, pas mal. Et soumis à la gravité. D'accord. C'est vachement bien. C'est pas mal. Ajouter un comportement. Alors, on peut lui mettre un comportement de... on va lui mettre un comportement de traction. Est-ce que la traction, c'est la gravité? Alors, bougez pas, je cherche. Hein. Est-ce que je peux lui faire, voilà, est-ce que je peux lui faire une traction? J'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose sur lui là, si? Traction active, physique, oui. Ça fait quoi? C'est un alien. On peut changer le visuel, on peut faire pas mal de trucs. Les effets. Qu'est-ce que je peux lui mettre comme effet? Effet de combat, feu d'artifice, impact. D'accord. C'est quoi sa classe? Éditer les classes. On va juste voir déjà un petit peu ce qui se passe avec mon bordel. On a de la physique, donc je peux lui foncer dedans et l'éjecter. Ouais. Très bien, honnêtement c'est pas mal, hein. Je suis assez surpris, je m'attendais vraiment à ce que ce soit une petite daube ce truc. Et en fait, c'est pas mal du tout. Alors son comportement, on sait qu'il y a rien. Alors donc si par exemple je veux lui rajouter de la physique, et que je dis qu'il pèse en fait 50 kg, et que je veux qu'il y ait une traction, 50%, normalement il devrait tomber vers le bas. Gravité, oui, donc il devrait tomber. Allez, il tombe. Et moi je vais pouvoir le shooter, paf. Et peut-être qu'on peut faire un jeu où il faut empêcher les monstres de tomber. D'accord. Et ben honnêtement, c'est pas mal. Alors loin de... Là, c'est pas du tout le genre de truc que j'ai envie de faire, parce que c'est trop limité, c'est vraiment bridé. Ça m'intéresse pas. Mais honnêtement, Ready Maker, qui est gratos, bah vous pouvez faire déjà des petits jeux smartphone. J'ai l'impression que c'est possible de faire quelque chose. Est-ce qu'il y a déjà des sons ou pas? Je sais pas, on s'en fout. Bon, j'aime beaucoup, ça me plaît, il y a moyen de faire quelque chose. Alors c'est très limité bien sûr, mais il y a moyen de faire quelque chose pour apprendre un petit peu les techniques et tout ça. Il y a moyen de faire un truc rigolo sur un smartphone ou une tablette, ça peut être rigolo de le faire. Bon, on s'arrête là, on a quand même testé dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a testé? Coppercube, bof. GDevelop, qui est plutôt sympathique, clairement, il faut reconnaître. ReadyMaker, qui est plutôt sympathique aussi, il faut reconnaître. Donc plutôt bonne pioche, mais plutôt pour des petits jeux, clairement. Hein. Pour l'instant, je n'ai trouvé aucun logiciel qui permette de faire du gros jeu, ou quelque chose de... ou vraiment un truc puissant, un truc costaud. Donc, j'ai trouvé, on va dire, GDevelop qui me paraît être pas mal pour mon 2D scrolling horizontal. Je pense que c'est simple, c'est facile d'accès. Je pense que c'est faisable. Mais à voir dans l'utilisation, bien sûr. On s'arrête là pour cette nouvelle vidéo de présentation des logiciels. Les derniers logiciels qu'il nous reste, ce sont Game Builder, qui me paraît apparemment assez costaud, quand même, à voir. Godot, Unreal Engine, Unity. Et puis ensuite, on aura terminé et on pourra faire le choix. Et enfin, se consacrer à la création et à la fabrication de notre jeu. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, fais ce que tu veux. Ça ne m'empêchera pas de continuer mes aventures. Et moi, je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Allez, salut tout le monde.